Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Vous savez, hier j'ai parlé de combien dans la vie spirituelle, il faut toujours avancer dans la vie. Je voudrais, mes amis, vous raconter une très belle histoire d'un juif à Bnei Brak. Ce juif-là, il travaille chez, il est comptable chez quelqu'un, et chaque jour, il va prier dans sa synagogue. Elle est à 10 minutes de son travail. Et un jour, il est sorti un peu tard du magasin, il a raté le bus. Il a raté le bus, alors il a décidé de faire l'autostop. À Bnei Brak, tout le monde c'est des juifs, et bon, et les gens là-bas, ils aiment faire la mitzvah là, d'aider. Donc, il y a un monsieur qui l'arrête. Alors, il lui dit, je vais aller à la synagogue. Ah, eh ben, ça tombe très bien. Moi aussi, je vais aller dans une synagogue. Moi aussi, je vais aller prier. Mais il a prié à une autre synagogue. Pas les synagogues où le comptable, il a l'habitude de prier. Il l'a emmené dans une autre synagogue. Bon, il sort. Et il fait sa prière. Bon, grâce à Dieu, il n'a pas arrêté sa passivité dans l'année de son père. Donc, il n'a pas raté la prière. Et puis, en sortant, après la prière, bon, maintenant, il va marcher à pied jusqu'à chez lui. C'était le premier jour de Hanouka. Il voit un monsieur qui vend l'huile. Il s'est rappelé qu'il n'a pas l'huile de Hanouka. Il s'est rappelé. Il était tellement content et heureux. Il a acheté l'huile de Hanouka. Waouh! Quelle déception! Il serait rentré chez lui à la maison et il n'a pas l'huile de Hanouka. Et où il va trouver? Et c'était de la bonne huile de Hanouka. Et en sortant, il voit le monsieur qui l'accompagnait. Il dit, bon, moi je retourne là où je t'ai pris. Tu veux que je te ramène? Il a fait un sourire. Il a dit, pourquoi tu souris? Il dit, le bon Dieu, il est extraordinaire. J'ai fait l'autostop. Tu m'as accompagné. Et moi, dans ma tête, que tu allais t'arrêter à côté de la synagogue où je prie. Mais toi, tu as continué un peu. Mais j'ai pas voulu rien te dire parce que quand même, tu m'as fait sa vie, je veux pas... Mais finalement, tu as bien fait. Tu ne m'as pas arrêté là où je devais aller et tu as continué. Et là où je suis rentré faire la prière, je vois un monsieur qui vend l'huile pour Hanouka et moi, je n'ai pas d'huile. Ça veut dire que, grâce à Dieu, quand je m'a rappelé que je n'ai pas acheté d'huile et quand je m'a emmené, il m'a emmené ici dans le synagogue. Et grâce à Dieu, et j'ai prié et j'ai acheté l'huile que j'ai besoin pour la Hanouka. Et en plus, tu me ramènes. Regarde comment Kajoukou est extraordinaire. Alors il lui dit, alors je te ramène chez toi. Je ne vais pas t'arrêter à côté puisque le bon Dieu t'a ouvert toutes tes portes. Alors moi aussi je te ramène jusqu'à chez toi. Comme ça tu seras un homme heureux. Un homme heureux. Tu as prié, tu as acheté l'huile de Hanouka et tu as eu un train, ce qu'on appelle un tram, ça veut dire et que je vais t'envoyer une voiture gratuite qui t'a pas pris, qui t'a pas prié et que tu ramènes chez toi à la maison. Mes amis, lorsque on veut faire une mitzvah, alors quand je vois où il est, beaucoup de fois ça m'arrive que j'ai pas de montre, j'ai pas de réveil et j'ai envie de me réveiller le matin où j'ai envie de réveiller au milieu de la nuit pour étudier, et à quel moment il fait à ce que je me lève le matin, tôt, oui, alors que je voulais. Vous savez, c'est tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Lorsque la personne, elle demande, alors à quel moment il lui donne. C'est tout. C'est tout. On dit Habali Tahem Seinlo. Celui qui veut
se purifie, ce qui veut être pur. Alors, du ciel, on l'aide. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Mais il ne fait pas le rétroviseur. Vous savez, dans les voitures, il y a, on voit tout droit, et il y a le rétroviseur, on voit derrière. Mais lorsqu'on conduit, on ne voit pas le rétroviseur pour voir derrière. Lorsqu'on conduit, on conduit pour voir devant, et on avance devant. Ben, si tu vois derrière, tu risques de faire un accident, et lorsque tu avances, tu tombes. Le rétroviseur, c'est fait uniquement pour faire attention, mais pas pour conduire et voir le rétroviseur. Parce que les yeux, ils ne sont pas derrière, les yeux sont devant. Alors, il faut avancer et continuer. Que Dieu vous protège avec la santé.